Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons pour la suite de notre aventure dans le jeu Kill the Bad Guy, tuer le vilain garçon. C'est un jeu dans lequel nous devons évidemment tuer des gens, mais nous devons faire croire qu'il s'agit de malencontreux accidents. Allons-y, c'est parti. Nous nous étions arrêtés au niveau 6, je crois. Voilà, le 6, c'est ça, on a les étoiles. C'était Mohamed, notre dernière victime. Et on va donc continuer, on va s'attaquer au niveau 7. Allez, c'est parti. Donc, l'action se situe à Moscou. Notre cible est un certain Andrei. Nous devons évidemment tuer le bad guy. Notre objectif secondaire. Non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas oser. On va voir. Donc l'identité, c'est un milliardaire et mafieux russe qui s'est accaparé une partie de la production de gaz de Sibérie de manière illégale. Il possède aujourd'hui trois grands clubs de foot anglais, une station de ski française et un parc Mauseland où il a marié sa fille à la star du showbiz Tough Mami lors du mariage le plus cher du monde. Ok, nos objectifs, donc tuer le bad guy, donc réussir l'objectif secondaire, le tuer en un jour, rattraper la dent et trouver le passeport. Eh bien, allons-y. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? C'est l'air fort, oh là là. Ça c'est pour voir son champ de vision. Je peux cliquer sur le truc noir. Ça c'est pour couper l'arme, ok. Cette corde là. Je peux la accrocher au truc. Comment je fais déjà? Ok. Ça je peux pas l'associer avec ça. Non, je peux pas l'associer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, le piano. Ah, je peux le déplacer où je veux. Ok, l'arbre cassé. L'arbre tombe. Ah, ça c'est quoi? C'est un chien mort. Jour 1. Alors, je crois que celui-ci déjà m'a donné un peu plus de fil à retordre. Il y a des chiens, un chien mort. Et ça c'est quoi? Faire en fait, d'ailleurs. Celui-ci aussi est prêt à casser. Okay. Là, je fais des choses absolument bizarres. C'est parce que je ne sais absolument. Je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Bon, déjà, je passe pour. Ok. Un jour 3. Un jour, c'est pas possible. Hein. Je sais même pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fasse avec ce chien mort. Est-ce que vous avez une idée? Aidez-moi. Bon alors déjà j'ai écrasé un arbre. Ah, je peux plus rien en faire. Et en plus regardez, il fait toujours le même trajet, il va tout le temps de l'autre côté. Comment je fais là pour le ramener? D'accord, donc ça veut dire t'as crevé ton arme, c'est fini. Défoncer toi, non? Est-ce que vous pensez que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse du mieux? Non, ça je peux pas laisser mourir. Oh. Ok, alors est-ce que l'idée d'abattre les armes, ça ne serait pas pour servir à l'attirer? Oh. Oh. D'accord. D'accord, attends, je viens de comprendre un truc. S'il voit le chien crever, il va y aller. D'accord. Attendez, je crois que j'ai quelque chose là. D'accord, je peux l'accrocher là-haut. Ça, toi là, viens là. Je suis mauvais, hein, je suis très très mauvais. Ça sert à quoi de mettre ça ici? Ça sert à rien. Je peux y attacher en hauteur, alors les armes. Je peux pas les emmener ailleurs. Un piano. Ça sert à quoi de mettre un piano ici? Ça sert à rien. Non, mais je comprends rien. Là, je comprends rien. Je sèche complètement. Le chien, je vais pas le mettre. Je vais pas l'empêcher de passer. Là. Ouais, t'arrives en sauve-toi. Allez, je te mets un piano. Là. Bon, eh bien, j'ai envie de dire que là, j'ai rien compris du tout. Est-ce que je peux passer au 8? Non, je peux pas. Bon, et Andrei, là, est-ce que tu vas oser faire ça?
Alors là, écoutez, c'est quoi ça? T1, ok, le passeport, on l'a, y'a pas de soucis. Toi, pas de problème, ok, ici je peux rien faire, hein. Là on est d'accord. J'ai une poubelle, j'ai un chien crevé, j'ai un piano, que je ne vois pas où je vais m'enlever. Qu'est-ce que ce sera? Pourquoi est-ce que je déplacerais mon piano? Je peux pas l'emmener dans l'arme, non? J'ai une caisse ici, hein, la caisse. Je sais pas, c'est une caisse, hein, on est dans... ouais, une bête caisse. Je vais pas en faire avec. Qu'est-ce que je veux que je fasse de cette caisse? Alors, est-ce que si je mets une caisse ici, qu'est-ce que ça va faire? Là honnêtement je comprends pas. Alors je peux peut-être essayer de décaler mon chien ici. Est-ce que ça va le... je sais pas. Est-ce que je peux mettre le piano sur le toit? Non, je peux pas. Alors est-ce qu'il va au moins voir qu'il y a un chien? Est-ce que ça va lui modifier son... Est-ce qu'on peut modifier peut-être son trajet? Il a vu le chien, il contourne le chien. Il contourne le chien, d'accord, rien à faire. Ok. Si je prends la caisse et que je la mets à côté. Voilà, il va passer à côté, il s'en fout. D'accord, la caisse il s'est barré. Coup de main alors. Reste appuyé sur le bouton gauche de la souris pour déplacer la caméra. Zoomer avec le bouton du milieu. Ouais. Tous les objets sombres sont interactifs. Les décors objets ne le sont pas. Ok. 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 Alors à chaque fois que le bouton gauche de la souris clique sur le jeu, que... ok, une fois que je suis venu, vous pouvez directement aller vers... D'accord, c'est bon. Associer certains objets dans le premier objet sur le sud. D'accord. Ça, on a compris. Objectif secondaire, ok. Ok, ok. Alors, déplacement d'objet, rotation d'objet, avance rapide. Rotation d'objet, tout gros sur l'objet sélectionné. Ouais. Ça n'apporte rien. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est pas possible, on va quand même pas le laisser s'en tirer là. Je vais pas mettre ça sur... Alors je vais mettre la corde soit sur la caisse, soit sur l'arbre. Je pense que je vais la mettre sur l'arbre. Non, sur l'arbre j'ai dit. Ah ouais, 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 ça y est, j'ai trouvé. Oh, ça va être bon. Ça va être très très bon. Oh ouais, si, et puis vous savez quoi? C'est le chien qu'on va mettre là. C'est le chien, tu es vraiment un grand malade, et oui. Le piano. Le piano, vous croyez? Oh là là là, ouais, non, on va faire quelque chose de vraiment dégueulasse. Tant pis pour le jour 1. On va essayer de le défoncer. Oh regardez-moi ça, oui, il va se prendre peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être qu'il va prendre un chien sur la tronche. J'ai envie de dire 3, 2, 1, c'est parti! Oh, c'est raté! Non, c'est réussi! Oh, le passeport! Oh oui, j'ai le passeport, j'ai là-bas. On l'a eu. On l'a eu. Bon. C'était pas très propre. Ah d'accord, c'est que le chien... D'accord, il s'est pris un morceau en fait. Bon. J'ai envie de dire, le principal c'est le résultat. On l'a quand même défoncé. Ah mais j'avais pas vu. Bon, vous savez quoi? Pour le plaisir, celui-ci j'ai envie de dire, bon, on va juste le refaire. Vraiment pour essayer Voilà, on va aller donc mettre le chien ici et on va tout simplement essayer
On va attendre qu'il soit peut-être un peu plus loin. Et on va vraiment essayer de défoncer. Parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est quand même un vrai bad guy. Alors attends, où est-ce que tu vas mon petit? C'est parti, je t'ai loupé. On t'a eu là-dedans. Ok, le... On l'a eu, il l'a pas vraiment pris de face, mais regardez quand même. Quand même, le chien en explosant lui a peut-être sectionné les jambes. Je sais pas. Mais en tout cas, il est décédé. Il est mort. Voilà. Et ben, c'est bien fait. Et bam! Et ben voilà. Ok, allez, on continue. Bon, il nous aura donné quand même pas mal de fil d'artordre celui-ci, le Andrei. Alors maintenant, niveau 8, nous allons essayer aujourd'hui de nous occuper de Michael, qui vit à Los Angeles. Le vert, le rouge, ah, l'art contemporain dans toute sa splendeur. D'accord. L'identité, donc ce riche gourou d'une secte qui compte de nombreux acteurs américains parmi ses membres, père de 66 enfants et propriétaire d'un immense ranch qui a subi un terrible incendie ayant tué 130 personnes. Oh, c'est un drame, c'est un accident. L'enquête a montré que les hommes s'étaient tous suicidés mutuellement et que les femmes avaient été étrangement enchaînées dans une pièce toute nue, les yeux bandés. Eh bien oui, c'est un suicide. On tuait le bad guy, etc. etc. Vas-y, c'est parti. Alors... Qu'est-ce qu'on a dans cette maison? On a donc un arbre. Ok, ça c'est quoi ce truc-là? D'accord, c'est bon. Sabotage réussi. Je vois pas trop ce que c'est, on dirait un collé. Ok. Ah mais attendez, ça vous savez quoi? J'aimerais bien essayer d'y mettre ça là. Attendez là. Faut pas mettre ça là-dessus. Déplacement. Ouais, dans l'arbre. Non, je peux pas y mettre dans l'arbre. Non, je peux pas y mettre dans l'arbre, c'est bien dommage. Comment je vais pouvoir faire ce truc? Où est-ce qu'il va mon petit copain là? Où est-ce que tu tournes? Tourne là. Non mais oui, non mais d'accord. Ok, on a fait une boulette. Alors, cette voiture. Mettons que ma voiture soit faite. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça sert à quoi ce truc? Sabotage réussi. Attendez, je vais démarrer cette voiture parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ah mais elle est partie à l'envers. D'accord, ben, ça ne sert donc à rien. Non, non, je me suis trompé de bouton. Qu'est-ce que c'est que ce câble? Si j'ai aucune idée de ce de quoi faire ce truc. J'ai pas compris ce que je viens de faire. Alors, c'est un genre de piège à Écoutez, il est mort. On a réussi. Il est décédé. Et voilà. Et ben oui, mais c'est comme ça. Et oui, écoute, oui. On n'a pas tout compris, mais c'est pas grave, t'as un vilain garçon, et ben on t'a défoncé. Voilà, c'est tout, tu méritais. Voilà, tout. Et ben voilà. Voilà. Bon. Il est quand même pas très très finou, il a couru lui-même dessus, il l'a vu, il a dit mince, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il s'est jeté dessus, regardez. Oh mon dieu, un piège. Ah, je jette dessus, et voilà le piège fou. Bon. Eh bien écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura réussi à faire deux niveaux seulement. On voit quand même que là ça se complique, le niveau monte. Mais bon, je désespère pas, je suis sûr qu'on fera très très fort dans les prochains niveaux. Bon, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée. Et puis je vous dis eh bien à très bientôt. Au revoir tout le monde.